Alors on est dans les jardins de Limur et je suis avec une partie du groupe d'électro Deluxe qui joue ce soir. Donc on va commencer ensemble. J'ai deux, trois petites questions pour vous. Alors vous allez peut-être commencer par vous présenter individuellement. Alors Jérémy. Donc à la basse. James. Au chant. Moi c'est Thomas, saxophone. Alors maintenant qu'on a fait soin, il faut savoir que vous jouez donc du coup à 7 sur scène. Comment on fait pour s'accorder ensemble quand on est 7? Qui veut répondre Jérémy. Allez. Oui, bah, c'est une question parce que je suis la seule personne qui joue juste hein, dans le groupe, hein, entre les chanteurs et les saxophonistes. Enfin, je me comprends. Non, mais ça fait longtemps qu'on existe, ça fait presque 15 ans. Oui, ouais, à peu près. Hein. On a passé notre vie ensemble, on peut dire. Hein. Maintenant, on peut le dire. Donc, on se pose pas de questions. On a fini par s'accorder. Les morceaux qu'on fait, on les sort spontanément. Après un gros travail. Alors justement, comment on crée un morceau quand on est 7? Chacun a sa partie, il y en a un qui amène quelque chose, chacun rajoute sa patte, ou comment vous formez le final? C'est pas chacun fait sa partie, c'est plutôt quelqu'un vient avec tout, en tout cas il a tout dans la tête, et après les autres ils font les censeurs, ils disent ça me plaît, ça me plaît moins, ça on peut améliorer, et à la fin de l'idée qui était arrivée au début, donc en entier, il en sort quelque chose qui est donc le morceau d'Electro Deluxe. Mais chacun des compositeurs vient avec une idée déjà bien complète du morceau. Alors si vous passez votre vie ensemble, je peux parler de questions qui fâchent, qui est le plus dur à convaincre ou qui a le caractère le plus compliqué? Les deux sont pas là. Ah, les... C'est vrai. Là, c'est les gens les plus. Alors, on va pas nommer. Hein, on va pas nommer. C'est les batteurs des claviers, mais on va pas donner de nom. Voilà. Ici, il y a les gens les plus ouverts d'Electro Deluxe. D'accord. Alas. Non, c'est pas vrai. On est tous aussi têtus, en fait, les cinq. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est bien partagé. Ça, c'est bien équitablement réparti. Il vous faut combien de temps en moyenne, vous savez, à peu près, pour sortir du coup un morceau complet où tout le monde est d'accord malgré vos 7 caractères très importants? Là, je peux pas te dire parce que des fois, ouais, effectivement, des fois ça va très vite. Le morceau est là et il est bien. Et il se joue sur scène aussi, il se rôde sur scène. Donc on voit que ça marche ou que ça marche pas du tout aussi, on le voit. Et il y en a d'autres qui sont longs à accoucher, qu'on laisse de côté, qu'on reprend, qu'on relâche, etc. Et puis finalement, on n'a pas le temps de les tester sur scène, mais ils sont quand même sur l'album parce qu'on y tient. On ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui nous fait insister dessus, puis finalement, on avait raison. Alors, il faut dire que votre groupe est assez particulier parce que du coup, on est entre le hip-hop, le jazz, il y a des inspirations un peu soul dedans. Si vous deviez définir votre groupe en un mot chacun, vous choisiriez lequel? Funk. Électrique. Énergique. Donc tout ça... Ça donne un cocktail du coup super vitaminé et j'ai envie de vous dire qu'on a hâte d'être à ce soir. Moi j'y serai en tout cas. Et puis on vous dit donc à bientôt sur TV Ruisse. Merci à vous.